Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu cette sensation, mais en revoyant vraiment l'œuvre de cet homme, eh bien moi j'avais des frissons en repensant à certains films dont vous avez juste vu quelques extraits. Et voilà. Et, you know, when I looked at, I mean, obviously, starting with the first film, Bugsy Malone, I was just wondering, how crazy were you to start your American career as a director with a film with kids only and a musical? You had to be pretty young and dumb. Mais quand on voit ça, il faut s'imaginer à l'époque. Est-ce qu'il ne fallait pas être un peu dingue pour commencer sa carrière de cinéaste aux États-Unis avec quand même un film avec que des enfants et en plus un musical? The truth is, it was a pragmatic exercise, really, because all the screenplays I'd written before Bugsy Malone were in London were very English. And we just couldn't get the money for them. They kept saying, too parochial. And so I said, okay, I'll write an American story. And the only thing I knew about America at the time was American movies. So I made this, wrote this screenplay, which was gangster films and musical films mixed together. And then I had, at the time, I had four small children of my own. So that's the reason that I then had the idea to put kids in. So it was a practical reason, really, just to get started in the film industry. The interesting thing is that in London, in England, the film runs every single Christmas time, so it's still running, and it's on stage at the moment in London. It's quite a big hit on stage, so yeah, it's amazing. But it was just fun to get started in the industry, really. Alors c'est vrai que pour moi, c'était en fait un exercice pragmatique, si je puis dire, parce qu'en Angleterre, je n'avais pas réussi à lever des fonds pour monter mon film. À chaque fois que je montrais un de mes scénarios, on me disait non, c'est trop anglais. Donc je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive une histoire américaine. Je me dis, voilà, l'Amérique pour moi, qui avait vu, évidemment, été élevé avec les films américains, c'était à la fois les films de gangsters et puis évidemment les musicals. Donc j'ai concocté un scénario qui finalement réunissait des choses. Et puis à l'époque, j'avais quand même quatre enfants qui étaient en bas âge. Donc j'avais envie de les mêler en quelque sorte à cette aventure dans ma tête. Et vraiment, c'était donc vraiment pragmatique pour commencer ma carrière de réalisateur. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est montré chaque Noël en Angleterre. Et la comédie évidemment musicale qui est aussi montrée en Angleterre, eh bien, est un grand succès sur scène aujourd'hui en Angleterre. Well, when you, obviously, when we're going to see later on Shoot the Moon, which maybe some of you will discover or rediscover, and in French it's called L'usure du temps. Looking back at what we just saw, do you remember what your ambition, if that's the right word, was when you started at such a young age, and what is your ambition, if any, now? Vous allez voir un film, Shoot the Moon, qui s'appelle en français L'usure du temps, mais en anglais c'est aussi Shoot for the Moon, c'est-à-dire attendre au plus haut, aller vers ses rêves. Et je voulais donc savoir quels étaient les rêves ou l'ambition, si c'était un exa d'Alan Parker à l'époque, et quels sont ses rêves ou son ambition aujourd'hui. The thing is, when I first started, you're always certain that your first film will be your last film. I remember when Bugsy Malone opened on the Champs-Élysées in 1976, it said Bugsy Malone, un film de Alan Parker. And they spelled my name wrongly. And I thought, oh God, my career is finished. I'm not even started. And then I walked along a bit further along the Champs-Élysées, and there was a film, and it said, Family Plot by Alfred Hitchcock. So I thought, well, if they get Alfred Hitchcock's name wrong, then I'm okay. But at the time, I thought, yes. Especially if you... And then after Midnight Express, the French critics were so horrible to me that I thought that would be the last film I ever made. So it's incredible that I went on to make another 12 more films after that. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé, que mon film est sorti en France, en particulier en 76, je me souviens, mon film était sorti sur la Champs-Élysées et je passe devant l'affiche et qu'est-ce que je vois? Un film d'Alan Parker. Donc ils n'avaient même pas bien écrit mon nom. Mais j'ai été rassurée quand en allant un petit peu plus bas sur les Champs-Élysées, je vois Family Plot, évidemment le fameux film de Alfred Hitchcock, et là qu'est-ce que je vois? Que également ils ont mis Hitchcock. Donc je me suis dit,
Donc c'est OK. Si mon nom est mal écrit et que celui d'Alfred Hitchcock aussi, ça va, je crois que ma carrière n'est pas totalement foutue et que j'ai un peu d'espoir encore devant moi. Et puis c'est vrai qu'au moment de Midnight Express, les critiques françaises m'ont absolument assassinée et je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma carrière. Donc c'est assez incroyable encore aujourd'hui de me dire, voilà, j'ai fait après cela encore 12 films. Et donc, c'est, voilà, c'était pour moi assez incroyable. When you say actually you made another 12 films, and before we give the hand to the public, when you saw the sporting films you made, I mean, do you feel like you've come like full circle? I mean, you've decided to stop, so to speak, we'll discuss that later, filming, but I mean, is that like circle? Coming full circle. Voilà, parce que justement, comme Alan Parker parlait, pardon, sœur Alan Parker, parlait de ces 12 autres films qu'il a fait ensuite, j'avais envie de lui demander, comme vous avez vu, les 14 films qu'il a fait, et il l'a dit il y a 2 ans à Barry qu'il ne retournerait plus de films, s'il a l'impression que la boucle est bouclée, en fait. Je pense, je ne sais pas full circle, mais. I think that what I always tried to do each time was to do a different film. I always reacted to the film that I'd just finished, so I always wanted to do different work each time, and the reason for that is to try and stay creatively fresh, really. And then, you know, there is a danger as you get older that you repeat yourself, and I never ever wanted to do that. So, in a way, you know, I was lucky enough to be on this journey, and I made 14 films, all of which I'm very proud, and all of which are very different. So I think that, I don't know if it's full circle, but I got to a feeling where, you know, maybe enough is enough. Alors, en fait, je ne sais pas si la boucle est vraiment bouclée, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai décidé de tourner un film, c'était en réaction au film que j'avais tourné précédemment. Je voulais absolument rester en quelque sorte neuf créativement, avoir à chaque fois des choses nouvelles à dire. Et surtout pour moi, le grand danger, c'était de me répéter. Je ne voulais jamais être dans la répétition. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, si je puis dire, d'avoir finalement mis en scène 14 films dont chacun vraiment m'a donné du bonheur et dont je suis fière. Ils ont tous été différents, d'un genre différent. Donc en tout cas, je ne sais pas si la boucle est bouclée, mais en tout cas, ça a été un parcours pour moi très heureux. N'oubliez pas que ceci est votre rencontre aussi, votre Q&A. Donc si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez intervenir. Sinon, évidemment, je continue. Oui, question ici. Good evening, sir. Je voulais savoir, justement, puisque vous disiez que vous avez la chance de faire 14 films avec des sujets différents, ce qui motivait vos choix de films. Vous avez fait des films sur... voilà, sur l'Amérique profonde, sur le Vietnam, et est-ce que, en faisant ces choix de films et de sujets de films, est-ce que vous pensez aux critiques, est-ce que vous aviez peur éventuellement de la réception qu'auraient vos films? Well, obviously you mentioned that you made film on very different genres, and obviously there were every time a matter of choice. When you choose a topic or a subject matter, first of all, what, because you talk about America, about Vietnam, many other things, what were you guided by when you chose the topic? And also, was the critical reception something you ever had in mind or feared or not at all? That's a very good question. I think that I always think that I was very single-minded about the kind of subjects I chose. I worked within the American system, and yet I made very individual films, and they didn't interfere with my work, which was very unusual. I think I chose because of trying to... I have a very eclectic taste in all things, eclectic taste in music, eclectic taste in stories, and so that's why the films are so different. The critic thing is, when I was very young, I was very sensitive to critics, because you do believe that you'll never get another chance to do it, because you're that sensitive. And also, you spend 2 years making a film, and it's very hard, you know. In those days, there was an attitude to criticism, which was which has changed completely now. But when you get older, you get more philosophical, and you realize that actually, you know, the films are seen in 60 countries, and in every country,
is at least 20 critics. So that's a lot of people to please. And you can never please everybody. And so in the end, the most important person for you to please is yourself. And that's, as I got older, I realized that all that matters is have I been truthful to myself in making the film. And if the critics like it, that's great. And then if they don't, that's also great. Alors voilà, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'au fond, je suis quelqu'un d'assez têtu. Et malgré le fait que j'ai travaillé à l'intérieur du système américain, c'est vrai que j'ai à chaque fois pu réaliser des films assez particuliers, intimistes, personnels, sans vraiment avoir trop d'ingérence des studios ou des producteurs américains. J'ai des goûts très éclectiques, comme vous avez pu le voir, aussi bien en ce qui concerne la trame de mes films, l'histoire que je raconte, mais aussi la musique, bien sûr. Donc c'est pour ça que mes films à chaque fois ont eu vraiment sont également très différents. C'est vrai que lorsque j'étais jeune, j'étais particulièrement sensible aux critiques, parce qu'à chaque fois je pensais, oh là là, je n'aurais plus l'occasion de tourner un autre film, ils m'ont tué. Et puis ça prenait aussi 2 ans à chaque fois de ma vie pour faire un film, en monter un. Donc à l'époque, j'étais très sensible à cela. Et puis en vieillissant, je suis devenue bien plus philosophe en ce qui concerne les critiques. Les films aujourd'hui sont projetés dans à peu près 60 pays, avec à chaque fois dans chaque pays à peu près une vingtaine de critiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'il faut contenter. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me dis le plus important, c'est finalement de se faire plaisir à soi, d'être vrai par rapport à son cinéma. Et c'est ce qui compte et non plus finalement l'opinion des critiques. Vous parliez, you were talking about music and your eclectic taste in music. And obviously, I mean, music is very much part of your cinema, as we saw them with Fame, with Evita, with obviously Pink Floyd, The Wall. Is there a music that you're listening, any music, when you're actually writing your stories? I'm not talking about Evita or the obvious scores, but is the music running in your mind? Voilà, on vient de parler dans la réponse de musique, effectivement, et certes, vous avez vu à quel point les goûts musicaux d'Alan Parker sont éclectiques, mais en fait, est-ce que lorsqu'il écrit, puisqu'il écrit, il a écrit beaucoup de ses scénarios, est-ce qu'à chaque fois il y a une musique du film dans sa tête lorsqu'il écrit, qu'il entend? It's interesting because I do play music when I'm writing, but strangely enough, the music that you play when writing it, you get fed up with it by the time you finish the script. So you think again, really, and think afresh. So very rarely do I use the same music that you're writing to. But yeah, it is very inspirational. Music can do that to you. I mean, for instance, I mean, when you hear Midnight Express music, obviously, I mean, got an Oscar for best music. I mean, did you immediately think, were you listening to Moroder's music or anything? Parce que c'est vrai qu'une des musiques les plus emblématiques, dès qu'on entend la musique de Moroder de Midnight Express, voilà, donc est-ce que c'est une musique qu'il a entendue, écoutée pendant Midnight Express? No, I never knew them. Can you hear me? Yeah. I never, Giorgio came in late, but when I finished the film, I laid the music, believe it or not, of Vangelis. Was the music, and I was quite happy with it. And but the film company was also a record company, and they wanted the record for obvious reasons. So their big hit at that time was Donna Summer. So Giorgio was her producer. So I worked with Giorgio in London and in Munich as an experiment, really, because it was electronic. It was the first electronic soundtrack to win the Oscar. But because it was electronic, it was incredibly easy to change things, and I found that quite a creative process. So, but as I say, you know, Giorgio was kind of a mistake, really. He wasn't somebody that I wanted to do it from the beginning. He did a very good job. Alors voilà, c'est vrai que j'écoute de la musique lorsque j'écris, mais souvent à la fin de l'écriture des scénarios, j'en ai tellement marre d'écouter la même musique, à la fin ce n'est jamais celle-ci qui finalement fait la bande de mon film, c'est très rare. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pour Midnight Express, j'ai écouté Vangelis. So you were listening to a Greek musician while doing Midnight Express, the Turkey, okay. Donc il écoutait Vangelis. Et donc à l'époque, comme la compagnie qui produisait le film était également une compagnie qui produisait des disques, et à l'époque, le grand succès, c'était Donna Summer.
et George Mander était son producteur, donc j'ai travaillé avec Mander à la fois à Munich et à Londres, et c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'une musique électronique remportait l'Oscar de la meilleure musique. Ce qui était intéressant, parce qu'avec la musique électronique, on peut facilement changer des choses. Donc c'était très créatif également comme processus. Mais pour tout vous dire, donc au départ, ce n'était pas du tout Mordor que j'avais en tête. Question, est-ce qu'il y en a? Oui. Alors où est le micro? Oui. Oui, c'est possible de laisser le micro? Pink Floyd, hein. Où êtes-vous qu'on vous voit? Ah, ici, merci. Quelle est la relation avec Pink Floyd, hein, sur le voix? Comment est? Quelle était la relation avec Pink Floyd, avec le groupe, avec... Avant de faire de moi? Pour The Wall, quelle était la relation avec le groupe, Pink Floyd? Yeah. So what was your relationship with the Pink Floyd before, avant le tournage? Est-ce qu'ils sont venus avec le projet? Est-ce que c'est lui qui a écrit? Comment ça s'est passé? Yeah, what was the process? I mean, did you know them before? Did they come up to you with the music asking you to do like, you know, a film? I mean, basically, how was Pink Floyd the Wall born? It was just coincidental that I had a friend who worked for the record company. And I said to him, I thought Pink Floyd, The Wall would make a good film. And he said, that's, you know, Roger Waters of Pink Floyd. He would like to make a film, so why don't the two of you meet? So it was the record company that put the two of us together, really. And but I was never meant to direct it. I was just going to produce it with Roger Waters. But then certain things happened, and so they came to me and they said, would you direct it? And I said, yes, I didn't want to direct it to begin with because it wasn't really mine, you know, it belonged to Roger Waters. They'd done this big successful stage show with animation by Gerald Scarfe. And so that's the reason I didn't want to do it to begin with. And so I agreed to do it. And I'm very proud of the film, although it was quite the most miserable time I ever had making a film. Worse than Evita with Madonna? Oh, much worse. Oh, yes. Okay. No, Madonna is easy compared to Roger Waters. Alors voilà. Donc en fait, c'était une coïncidence. Là, j'avais un ami qui travaillait pour la boîte de disques et il savait que Roger Waters voulait faire justement un film à partir de leur album et puis surtout évidemment du spectacle. Donc il a dit voilà, pourquoi est-ce que tu ne rencontres pas Roger Waters et puis vous en parliez. Mais au départ, je vais simplement produire avec Roger Waters. Et puis, c'est passé plusieurs choses. Et en fait, ils sont revenus vers moi en disant, écoute, est-ce que tu ne veux pas finalement mettre en scène le film? Moi, je ne voulais pas du tout, parce qu'au départ, c'était vraiment pour moi un matériel qui appartenait à Roger Waters. Il y avait avec ce spectacle, l'animation fait par John Scarfe. Enfin, tout ça n'était pas une œuvre qui m'était propre ou personnelle, en quelque sorte. Mais j'ai accepté, je suis très fière de ce film, même si je dois dire que ça a été probablement l'expérience la plus terrible de ma vie sur un tournage. J'ai donc dit pire que Madonna sur Evita. Elle a dit, oh là là, comparé à Roger Waters, Madonna, c'était du gâteau, quoi, en quelque sorte. Why was it miserable? We want to know everything. You're here for that. There's a theory that, good work doesn't necessarily come from a comfortable film set. Better. Take mine because yours seems to be. Yeah? Take mine. I think it's more important. Okay. No. Hello. Can you hear me? No. Yes? Oh. It's me. I have this magic touch. I don't know. Hello. Yes. What was the question? you were saying that there's a theory that good work doesn't come from this very comfortable set. Yeah, sometimes out of conflict can come good creative work. In fact, that film is a very good film. It's a very innovative film. But I think it's because of the individuals involved. There was myself as a filmmaker. I was only used to being in control of everything. Roger Waters, as a musician, was only used to being in control of everything that he did.
and Gerald Scarfe, who did the animation, he was, you know, it's three megalomaniacs together, really. So that's not always good chemistry. Alors, en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a un dicton, disons, en tout cas une théorie qui dit que souvent le meilleur travail vient de tournages difficiles. Et c'est vrai que parfois, le conflit est générateur de grande créativité. Et c'est vrai que Big Floyd the Wall, c'est un film extrêmement innovant pour l'époque. Mais voilà, il y avait un problème, je crois, de personnalité. Moi, le réalisateur, donc habitué à avoir plein contrôle de mon tournage, de mon plateau. Roger Waters, lui, musicien, habitué à avoir total contrôle sur justement sa musique, et John Scarfe, lui, total contrôle sur son œuvre. Donc en fait, c'était la réunion de trois mégalomanes, donc c'était pas toujours évident. You just mentioned megalomaniac, and I read on your website that you said, I make no claims to being the only director to be aggrieved at the sadism and masochism of the filming process. Considering the films we saw, I think you're more of a masochist. Alors, pour parler de Mélagon, je prends juste une des multiples citations que j'ai vues sur le site de Sir Alan Parker. Je vous invite à aller sur alanparker.com, c'est une mine jouissive de citations, de dessins, enfin, c'est extraordinaire. Et en fait, il dit en gros que dans tout réalisateur, il y a en fait un sadique et un maso qui sont là. Je trouvais que par rapport au film, aux difficultés des tournages qu'il a affrontées, il avait plutôt l'air d'être maso. Yeah. I have chosen very difficult films to make. I mean, I wish they were easier, but some people make a film in, you know, one house, one room. There are always different kinds of films, but for some reason my films have been hard to do. So it's not that I'm a masochist. I did films like The Commitments, for instance, which were just a joy from the moment that I started to the moment I finished. And every day I couldn't wake up and go to work, really. That's not always the way. But so it depends on film to film. It's not every film is a miserable experience. Alors c'est vrai que vous avez raison, je choisis souvent des tournages et des films difficiles, même si évidemment j'aimerais ou j'aurais aimé qu'ils soient plus faciles. Vous savez, certains réalisateurs arrivent à poser leur caméra dans une maison, une pièce. Bon, moi, ce n'est pas mon cas, mais non, je ne suis pas vraiment masochiste. Par exemple, The Commitments, c'est un film qui était absolument délicieux et un vrai plaisir à tourner. Chaque jour, lorsque je me levais, je n'avais qu'une hâte, c'était arriver sur le tournage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Où est le micro? Est-ce que vous avez... Question et micro. Ah, ici. Oui, bonsoir. À propos de Mississippi Burning, que je trouve un film absolument extraordinaire, je tiens à ce que vous le répétiez à M. Parker, je voudrais savoir s'il a éprouvé des difficultés particulières avec la population locale, puisque le film a été tourné dans le Deep South, et je suppose que certaines personnes du coin n'appréciaient pas particulièrement ce qui se passait au niveau de l'enquête, ce sont après les événements réels. Voilà, la première chose. Deuxième chose, je voudrais simplement lui demander, dans sa riche filmographie, que j'admire beaucoup, quel est son film préféré? Et enfin, je voudrais simplement savoir s'il a un cinéaste qui l'a particulièrement inspiré, qui a été pour lui, c'est ça, une inspiration parmi les grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Merci. Well, first of all, the gentleman was saying how extraordinary, and he insisted I repeat his words to you, was Mississippi Burn. So I did it, sir. And as it happens, you're welcome. As it happens in the deep south of America, knowing that it's based on, you know, the real situation then, I wanted to know if you found certain difficulties, you know, with the population or the locals, or maybe, I don't know, the forces there. I mean, how tough was this shoot in these terms? Well, when we made the film, it was 30 years after the actual events. So it was a very different Mississippi. When we first arrived, you know, there were the usual death threats that you get. And we had a lot of security. But it turned out there was no problems at all, really. And we filmed... you know, in Mississippi, and we filmed a lot of it in Alabama also. So
I don't know if that made a difference, but everybody said it was going to be very, very dangerous. But when we arrived, I said, we've got a few notes to say, you know, we're going to kill you. But they didn't. That's what I said. It was much more frightening in when I did Evita. We arrived at the airport in Buenos Aires, and as we in the car going to the hotel, every bridge had a graffiti saying, "Go home, Madonna. Go home, Alan Parker." Mm-hmm. And that was very, very serious. We were very concerned about that. But they always spelled our names incorrectly. So we thought maybe it's just the same person, you know, who couldn't really spell very well, you know. Alors, en fait, voilà. Donc, lorsque j'ai trouvé Miss Libon, il y a, c'était 30 ans, évidemment, après les faits. Donc, ce n'était pas aussi dangereux que l'on pouvait le penser, mais c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, on nous avait prévenu qu'il y aurait peut-être des menaces de mort, on avait beaucoup de sécurité qui nous entourait. Mais vous savez, nous n'avons pas tourné seulement au Mississippi, mais aussi en Alabama, même si, je ne sais pas si ça fait une différence, mais en tout cas, quand nous sommes arrivés là-bas, c'est vrai qu'on a trouvé des petits messages d'accueil très sympas, « We're gonna kill you », on va me tuer, mais comme vous voyez, je suis toujours là. Donc ça faisait peur, mais ce n'était pas aussi effrayant, bizarrement, que mon arrivée à l'aéroport de Buenos Aires, quand on allait tourner Evita, ou quand on a pris la voiture pour aller de l'aéroport à l'hôtel. Partout, sur tous les ponts de Buenos Aires, on voyait des immenses affiches en disant « Rentrez chez vous Madonna, rentrez chez vous Alan Parker ». Heureusement, là encore, il y avait des fautes d'orthographe. On s'est dit que c'était peut-être l'œuvre d'une personne qui écrivait de toute façon très mal. Donc voilà. The other part of the question was, we saw how rich your filmography is. And the gentleman was wondering, if there is a film of all these that you prefer, or that is a special maybe memory to you that will stand up and stand out? It's always very hard to answer that question because each one, I like every one of them, and sometimes you remember the film for the happy time we had. Like, as I say, The Commitments was a happy time, so I always think that was a good film. Other films, like Birdie, which was not terribly successful, I like very much. The film tonight, Shoot the Moon, is probably the most personal of all my films. So that I'm very fond of that too. So it's not really the successful ones. It's usually the ones that weren't very successful that you like the best. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à une telle question parce que, au fond, je les aime tous, mais c'est vrai que parfois, on a tendance à préférer peut-être ceux dont le tournage s'est très bien passé. On a tendance en tout cas à le faire, comme par exemple The Commitments dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres films comme Birdie qui n'ont pas connu un grand succès restent importants pour moi. Et Illusion du temps que vous allez découvrir ou redécouvrir tout à l'heure est mon film le plus personnel et probablement celui pour lequel j'ai une tendresse particulière. Donc ce n'est pas forcément les films qui ont eu le plus de succès qui sont peut-être ceux que je préfère. And finally, the last part of the question, as we're talking about films and your filmography, is there any particular director or any other person actually that truly influenced your cinema and your filmmaking? It's interesting because the answer I always give is the director that I admire the most is a British director called Ken Loach. But my work is nothing like Ken Loach's work. It's I admire the integrity of his work. And I think that's the thing that I try to learn from the most. Alors, en fait, c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on pose cette question, eh bien, je réponds, évidemment, je pense à un réalisateur anglais, Ken Loach, car pour moi, son travail est immense. Mais étrangement et paradoxalement, son cinéma, le mien, n'ont rien à voir. En revanche, ce que j'admire infiniment, c'est l'intégrité de son travail. C'est en cela qu'il m'inspire. Funnily enough, I think I read when you were actually knighted by the hands of Prince Charles, the one person you were afraid of
coming upon was Ken Loach. Is that true? Oui, alors, comme il parlait de Ken Loach, j'avais lu une anecdote que je veux partager avec vous. C'est que lorsqu'il a été par le prince Charles couronné chevalier, eh bien, il a dit à ce moment-là que la personne qu'il craignait le plus de rencontrer, justement, c'était Ken Loach. It's true. And then the very next day, I was walking along in Soho, in London, and coming towards me was Ken Loach. And he said, "How could you? How did you accept that? You must be mad to go down on your knees in front of those people." He's very anti-royal family. Yeah. Alors voilà, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Et évidemment, le lendemain, sur qui je tombe en baladant à Soho, Ken Loach qui arrive vers moi. Et tout de suite, il me dit, mais comment t'as pu accepter un truc pareil? T'es dingue! Comment as-tu pu te mettre à genoux devant ces gens-là? Comme vous l'avez compris, il était assez anti-monarchie, on va dire. Question. Alors, micro ici. Bonsoir. Moi, je voudrais évoquer votre note éducative de vos films. Moi, quand j'étais étudiante et lycéenne en Yougoslavie, d'où je viens, qui n'existe plus, nous étions obligés de regarder Midnight Express ou après Bugsy Malone, ou même je suis après que les autres étaient obligés de voir Fame et Mississippi Burning. D'où vient ce vouloir de dire aux autres, voilà, il faut constater certaines choses d'actualité qu'on peut mettre, parce qu'il y a toujours cet élément de cinéma en disant c'est toujours des histoires qui sont un peu fantastiques, qui plaisent plus. Là, vous vous appuyez souvent sur les faits réels. D'où vient ce vouloir d'être bien dans notre monde? Et j'aurais voulu savoir aussi quelle est votre opinion sur le cinéma à trois dimensions et tout ça, la nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, c'est un stretch dans la question. Très bien. Alors, somebody who was educated in Yugoslavia, which no longer is, obviously, remember that during classes, they were asked to watch Mississippi Burning, Midnight Express, Fame of Bugsy Malone. And it's true that very often your cinema is based or was based on certain real facts, political, social, etc. What made you, in a way, interested to film that, to, in a way, be a citizen of the world in your films? The difference between, whenever I go to film schools now, for instance, to talk, and you talk to young filmmakers, the thing that I always say, which is the most important, which was, I was very fortunate at a period of time that you could make films because you had something to say, because you felt that film was important and it was a fantastic way to communicate ideas, whether they be social or political. And then, because cinema now has become the cinema of American superheroes and digital films, there are few people now with that kind of political or social voice. They're being done by very small independent films. And so I think that's the thing, is that that it was a sign of the times, really, that my mentor was a man called Fred Zinnemann, who's a great American director, and he said Alan, being a film director is a great privilege, so don't waste it. So I've tried not to do that. I think that film should have something to say, and the best thing is when you've done a film and then you, at the end of the film, people talk about it. They go home and they talk about it, and the ideas in the film make you think, and that's what film should be. But too many films today, sorry, long answer. That's okay. Too many films today, the moment you've left the cinema, you forget the film. So that was the point, really, of what we tried to do, is to have something to say, because cinema is a fantastically strong way to communicate. Alors, c'est vrai que c'est surtout lorsqu'aujourd'hui je vais dans des écoles de cinéma et que je m'adresse à de futurs jeunes cinéastes, c'est vrai que je leur dis toujours que le plus important, c'est d'avoir
quelque chose à dire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, car à mon époque, c'était le cas. Le cinéma était vraiment le plus fantastique pour propager les idées, qu'elles étaient à l'époque sociales ou politiques, etc. Aujourd'hui, le cinéma américain en particulier, on est en train d'être dans un cinéma de super-héros, un cinéma numérique. Il y a très peu de voix dans le cinéma actuel, de voix sociales ou politiques, sauf évidemment dans les films indépendants. Donc je crois que mon cinéma, ce que vous dites, eh bien, était tout simplement le reflet de l'époque qui m'autorisait à parler de cela. Et je me rappelle de mon mentor, Fred Zeman, qui était un cinéaste extraordinaire, qui disait que être cinéaste, c'était un immense privilège. Et donc, il ne fallait pas gâcher ce privilège, ne pas s'en servir comme tel. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes films. C'est vrai aussi que ce que j'aime, lorsque l'on sort d'un film, et que des spectateurs rentrent chez eux et discutent ensemble d'idées du film, de ce que le film voulait dire, eh bien pour moi c'est la chose la plus importante. Or aujourd'hui, malheureusement, je pense que la plupart des films que l'on voit, eh bien dès qu'on sort d'une salle, eh bien ils sont aussitôt oubliés. Et donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de continuer à penser que le cinéma est une des armes les plus puissantes pour parler de notre temps et de notre société. Well, the lady was actually talking about what do you think you